Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour de mon vide-grenier d'hier. Enfin, mais j'en ai fait plusieurs, mais ce que j'ai trouvé là, je les ai trouvés sur le dernier. Et aussi une CD que sur les CD d'occasion que j'ai trouvé depuis 2 mois. Donc il y en a vraiment pas mal, vous allez voir. Donc, on va commencer avec les trouvailles d'hier, déjà. Donc, il y avait ce DVD, The King of Pop de Michael Jackson, trouvé pour 1 euro. Donc, impeccable. En cassette audio, Alphaville, avec Forever Young. Pareil, très content de la rentrée. Le best-of d'OMD. Voilà. Le Regatta de blanc de Police. Voilà, en super état. Quand j'étais en train de fouiller dans le sac des petites cassettes audio, là, que j'ai eu à 1 euro. 1 euro pièce. Je fouille, et puis je tombe sur. Je vois au fond du sac un truc. Je fais non. Excellent. Et je tombe sur quoi? Ce Walkman que beaucoup connaissent parce qu'il était courant, il est sorti en 86 celui-ci. Voilà. Donc, et je le vois, donc il y avait la façade là, qui était décollé. Et la femme me dit, oh, bon, pff, écoutez, si vous le voulez, je savais même pas qu'il était dedans, je vous laisse à 1 euro. Je rentre, je nettoie, je colle, enfin, j'ai pas tout nettoyé propre encore. J'ai dit, eh ben, attends, j'ai 2 piles, je vais mettre dedans. Je tente, je mets le casque, nickel, il fonctionne. Il y a un petit nettoyage à faire et puis eh ben, ça va être nickel, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, il manque juste le petit bouton, ben, il saute, c'est pas la première fois. Pour 1 euro, j'ai ben, un Walkman Aiwa, super, qui rentre dans la collection, je suis ravi. Et bien, sans transition, commençons les CD. Les CD d'occasion, il y en a beaucoup. Alors, on va pas s'attarder sur chacun, hein, parce que sinon on en a pour la journée. Donc, on va commencer avec le Nightwish. Once. Voilà. Ensuite, un Mass Hysteria avec de cercle en cercle. Un Deftones. Voilà. Album éponyme. Emmylou Harris. Avec Piece of the Sky. Les styles sont différents. Van Halen. Un petit Van Halen. Le titre, je vous le laisse. Il est trop long et mon anglais est pourri. Ensuite, c'est Billy Hayes. Voilà. Que je ne connais pas. Ensuite, un petit album de Toto. Ça, j'ai trouvé chez Easy Cash, celui-là, comme le Billy Hayes. Pour 1 euro. Le Simple Minds en fat box complet. Complet, complet. Voilà, avec le petit livret. Le CD numéro 2. Très content. Lisa Ekdahl. C'est une chanteuse jazzy, à la Norah Jones, un peu, toutes ces chanteuses-là.
Louis Bertignac avec Origine. Donc, c'est un album de reprises de chansons. Il y a un petit peu de, il y a un petit peu de tout dedans. Je vous laisse découvrir. Album assez récent. Il est de 2018, celui-là. Une BO, Platoon. On ne présente plus. J'adore le film. Un triple CD de Bob Marley. Voilà. Je vais y arriver. Donc bon, pareil, on ne présente plus. L'unplugged de Shakira. J'ai écouté celui-ci. Il est bien. Nightlife, Depeche Mode Boys. Le Ultimate des Pet Shop Boys, toujours. Un autre album des Pet Shop Boys, c'est Release. Les Suicidal Tendencies avec Suicidal for Life. Deux albums de Salif Keita. Alors, bon, ça c'est un peu particulier, je vous l'avoue. Mais ça passe. De temps en temps. Comme ça. Jean-Baptiste Guégan. Ça je l'ai pris parce que c'était le coffret. Pour 1 €. Ça se prend. Voilà, pour moi en tout cas. Le Red Hot Californication. Une compile Génération Dance. L'album Shaman de Carlos Santana. Les Négresses Vertes avec l'album Zigzag. Trust dans le même sang. L'album Europe et haine de Trust. Également 70 centimes ces albums-là. Je les ai eus. Comme celui-là, le Deep Purple Infinite. Allez, ça se casse la gueule. Ça, c'est le DVD. DVD. CD et DVD. Nickel, 70 centimes. Celui-ci, 1 euro. Le Faceless. C'est le best-of double CD. Et en faisant mes petites recherches, j'ai vu, je savais pas que Mexique Jazz était décédé en décembre dernier, juste avant Noël. Le Black City Parade. 2 euros, je crois que vous l'avez vu. Hein, voilà. Un album de Gossip. Il date de 2006. Un album de M. Un autre. Un Adèle, le 19. Norah Jones. Voilà, CD, DVD. Offsprings, avec Splinter. Double CD aussi. Voilà. Le Rouge sang de Renault. 1 euro. Le Ben Harper avec The Will to Live. 1 euro aussi. Un Beatles, The Magical Mystery Tour. Je dis, hein, ça en fait. Hein. Ce Gainsbourg, Pop Session.
Ma cisteria, il se décompose. Il a dû prendre la flotte parce qu'il est dans un état. Le CD, lui, est en très bon état, mais la pochette, c'est pas ça. C'est dommage. Best-of de thérapie. Voilà, lui, en très bon état. Le System of a Down Toxicity. Le George Michael, Song from the Last Century. Album de reprise. Un EP de Mylène Farmer. Voilà. Optimistique, moi. Partout. Ensuite, c'est pas fini. Les Doors et les Woman, que je ne présente pas, hein, forcément. Tout le monde connaît. Tout comme celui-ci. Les Beatles, le numéro 1. Le Liars Mess. Je connais pas. Si vous connaissez un Van Halen au 812, un TFN en concert, voilà, un autre TFN stratégie de l'inespoir. The Breeders, Last Splash, bon, la boîte elle se part en couille, hop, Dangerously in Love de Beyoncé, Ben Harper and the National Criminal, Bryan Adams, que j'adore, lui, j'adore. On a day like today, voilà. Un best of de Monsieur Joe Cocker. Je sais pas si je vais le sortir. Voilà. Le Alive des Daft Punk. Alors celui-là, quand je l'ai eu à 1 euro, pareil. J'étais content. Une belle pièce. Le live. Un TFN avec Méré. L'album de Clean Bandit. What is Love? L'album de Marion. Clutching at Straws, un autre de Marion, Kaylee, Judas Priest avec Painkiller, un album de Snoop Dogg, Last Meal. Pas courant Snoop Dogg non plus. Un album de Chris de Burgh, Spanish Train. Crazy Town, The Gift of Game. J'adore la cover, très jolie. CD aussi. Les Cranberries avec Bury the Hatchet, a cappella, ça c'était un autre style évidemment. Resurrection, parler c'est bien, mais
La vôtre. Ça ne change pas un homme de Johnny. Voilà. Un best-of de Diana Ross. C'était joli quand même. Un petit Laurent Wolf. Sunshine Paradise. En double. Double CD. Le Coldplay. X et Y. L'album de 16 avec God Bless. Blink 182. Morcheeba avec Big Calm. Frederick Common Jones, du New Morning au Zénith. Il manque la petite, le petit papier qui est ici au milieu, le petit, il y a des guitares, donc je vais le faire et puis le remettre. C'est des brouilles, pour 1 €, hein. Pas demander non plus la lune. Binaural, binaural. Donc c'est de Pearl Jam. Album de Pearl Jam. Voilà. Rage Against the Machine. The Battle of Los Angeles. AC/DC Live. Bob Marley, Burning the Wailer. Un autre Bob Marley, Babylon by Bus. Excellent, excellent, excellent. Catch a Fire de Bob. Un Jack Johnson. Cet album-là, voilà. Et j'en ai pris un deuxième. Curious George. Voilà. Un Noir d'Aise. Celui-ci, c'est. Où es-tu que je te regarde? Enfin, voilà, il y a 4, il y a 5, 6 titres. 6 titres. Et pour finir, un petit format qui est assez rare à trouver. C'est ce Carlos Santana. Vous voyez, oui, avec les titres, oui, With a Little Help for My Friends, qui a été chanté par Joe Cocker aussi, Jamil Home, Acapulco Sunrise, Jam in Hay et Traveling Blue. Voilà, ça se décompose comme ça. Excellent. Très content celui-là, j'étais super content de le rentrer. Voilà, bon bah écoutez les amis, très content hein, pour cette petite vidéo CD d'occasion, plus un petit peu les rentrées d'hier avec le cassette et puis le Walkman, baladeur pour les Français, enfin ceux qui veulent absolument ce terme, qui m'embêtent absolument pas. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. D'autres vidéos suivront derrière avec des Maxi 45 et des 33. Et puis je vous dis à une prochaine pour de nouvelles aventures ensemble. Ciao, ciao!